Et bonjour à tous, comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, lundi, sans montage, c'est le deuxième. J'ai réfléchi à un sujet pour pas être trop démuni. L'album de Nekfeu est sorti il y a pas longtemps. Donc, je vais faire un petit avis à chaud. Je vais pas faire une analyse comme j'avais fait par exemple sur Mowgli 2 de PNL. Mais on va faire je vais regarder un petit peu l'album titre par titre là. Je l'ai sous les mains. Et je vais en parler un peu. Je vais vous parler des sons qui m'ont marqué, que j'ai le plus aimé. Donc commençons. Alors, Étoile Vagabonde, c'est une intro. En vrai, voilà. Je viens de dire que je parlerai des sons qui m'ont marqué. Du coup, je vais pas faire titre par titre. À l'unisson. Par contre, j'ai bien aimé. L'instru, elle sort un peu de ce qu'il fait dans le rap en soi, vu que c'est pas du tout une instru rap, quoi. C'est très très mélodieux, c'est très guitare acoustique. Nekfeu qui chante et tout, c'est vraiment pas mal. Du coup, ouais, je l'ai gardé pour ça. C'est pas mal. Là, je suis sans doute. Non, je suis pas en contre-jour. Ensuite, il y a Chum. J'ai beaucoup aimé. Justement, au contraire, là, ça kick. Là, ça kick sur l'instru. On s'en est fait un peu affûté sur l'instru. Donc, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. Menteur. Menteur que je mettrai avec Tricheur. Parce que c'est des sons un peu. C'est un nom de reproche. On a senti un effet un peu qui reproche des choses. Mais j'avais dit quoi? Oui, Tricheur, j'ai aimé. Feat avec Damso, évidemment. Plutôt équilibré. Nekfeu a bien fait de prendre le refrain. Parce que sinon ça aurait été mort. Hop, ça aurait été mort sinon. Mais non, il y a trop de. Mais attendez, mais. Où est-ce que je suis? Je crois que je tourne en rond là. Bref, là il y a trop de bruit, on est sur une grande artère, donc on va peut-être reprendre une petite rue. Je disais oui, Tricheur, le feat avec Damso, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que le thème était cool. Ça reproche un peu des choses à gauche, à droite, les réseaux, tout ça. Je disais oui, heureusement que Nekfeu a pris le refrain parce que sinon Damso l'aurait mangé. Voilà. Couplet de Damso ultra propre. En 40 secondes, il plie le son. Franchement propre. Ensuite, il revient dans les bacs. C'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Et il y a aussi Nekfeu, son refrain, tout ça est vraiment cool. Je crois que je tourne en rond. C'est chiant sans montage. Hein. Ouais, je sais. Mais bon, c'est seulement la deuxième vidéo sans montage. Hein. Je vais m'améliorer. Ciel noir, j'ai kiffé parce que au bout d'un moment, il y a une petite coupure. Il y a une coupure et on entend les chœurs, on entend les gens travailler sur le son en lui-même. Et sur l'instru, ça revient avec une femme qui a une voix exceptionnelle. En plus, c'est super bien masterisé, super bien mixé. Donc, c'est vraiment le plus de ce son. Il y a, je crois, Voyage léger. Je suis pas sûr. Mais il n'y a pas de feat écrit explicitement. Mais je crois que c'est Niska qui fait les bacs. Niska dans les bacs, il est exceptionnel, il est vraiment super fort. Donc le plus de ce son Voyage léger, c'est vraiment les comment ça s'appelle, les bacs de Niska. Faudrait que je revérifie, je regarde. J'ai pas fait attention. Donc on a Elle pleut, le feat avec Némir, c'est doux. Bon, ça parle un peu de relations amoureuses, tout ça, c'est pas mal. J'aime bien. Et contre les hommes, là, Nekfeu est en feat avec. Merde, j'ai oublié. Avec Alpha One. Comment je peux oublier ça? En plus, le feat, il est magistral. Alpha One et Nekfeu, de toute façon, c'est toujours des feats exceptionnels. Ils sont super forts, il y a une complicité. Une complicité inqualifiable. Genre, il n'y a que eux qui font. Vraiment, c'est des masters. C'est des masters du feat. Les deux, ça marche super bien. Ça se renvoie à la réplique, ça se la reprend. C'est génial. Ça jongle avec la réplique. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est super fort. Mais attendez, il n'y a pas Notre-Dame ici? Si, clairement. Les gars, ça fait 18 ans que je suis à Paris. Et j'oublie ça. On va juste passer vite fait faire quelques images.
Je suis un délinquant. Regardez ça. C'est triste, hein. Mais c'est beau en même temps. La reconstruction. On voit ça là, hop. Attendez, je vais passer là. Désolé. C'est pas ouf, mais bon, j'ai pas le droit au montage. Hop. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que je gêne les gens là. Alors, on va reprendre des petites rues. Hop. Qu'est-ce que je disais? Oui, le feat Alpha One Nekfeu. Super bon, ça me fait penser à Vinyl du coup, de Programmé. Programmé qui est son ancien album. Et je voulais dire quoi? Ah oui, Taco Tsubo, il m'a un peu fait penser à Programmé. En termes d'instru, son ton un peu solennel, alarmiste qu'il y avait dans Programmé, parce que Programmé, c'est un peu. Ça dénonçait un petit peu la nature humaine de nos jours, parce que ça parlait des réseaux et tout ça. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. Beaucoup aimé Taketsubo, le fait qu'il reprenne un peu ce ton. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Ah là là, les enfants, je suis très si peu bon quand il n'y a pas de montage, mais c'est pas grave. Je contemple Paris, cette belle ville. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Je voulais vous prévenir aussi de la semaine là qui est arrivée. Il y a du vent. J'espère que vous m'entendez quand même. Je voulais vous prévenir de la semaine là qui allait arriver. De mardi à vendredi, il va y avoir une série de vidéos qui parlent du statut auto-entrepreneur, de la manière de le créer, de comment gérer, payer ses charges, tout ça. Et donc je vais mettre une vidéo par jour, ce sera une série de 4 vidéos. Et ensuite je ferai une playlist et voilà, ça vous fera une playlist qui parle du statut auto-entrepreneur de manière complète. Comme ça vous aurez tout. Parce que moi justement quand j'ai créé le statut, c'était vraiment dur de me renseigner de la manière. Enfin de me renseigner, j'avais des infos vraiment pas de manière satisfaisante. Du coup voilà. Je me dévoue, je vais faire une série de vidéos voilà, sur le statut d'auto-entrepreneur en espérant que ça aide des gens, de toute façon voilà, hein, ça sera là. Et si les gens le veulent, ils l'auront. Voilà, je ne savais pas quoi dire, il y a beaucoup trop de bruit, donc je vais m'arrêter ici. Voilà, en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve demain pour le début de la série. Et voilà, au revoir, je vais mettre ma main. Ouais. Je crois que j'étais en contre-jour. Je vais mettre ma main sur l'objectif pour faire le trop. Voilà. Et là, normalement, vous m'entendez. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux parler comme ça. Et à gauche... Pardon. Ah, oh, miskin, je m'étouffe. Mais du coup, à gauche, je m'étouffe. C'est trop triste. Mais à gauche, il y a la possibilité de s'abonner. Et à droite, il y a les deux images, les deux miniatures qui vous redirigent vers des vidéos. Et cliquez sur celle qui vous plaît. Je vous dis merci et au revoir.